Wow! Frère! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dont je m'en bats. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Non, je rigole. Le mec est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Non, on est parti où? À Herblay dans le 95, c'est ça le 95? Voilà, on est parti à Herblay dans le 95 pour faire une petite dégustation. Ça fait longtemps les dégustations. D'habitude, j'arrête pas de découper des trucs. Franchement, des fois, je suis fatigué. Moi aussi, j'ai envie de manger, me poser tranquille. Tu vois, j'ai envie de manger un truc bien. Donc, on m'a dit quoi? Spicy and grill. On m'a dit, c'était quoi? De la bouffe indienne en mode fast food. On va tester. D'habitude, je fais jamais de trucs comme ça. Mais bon, je suppose qu'il y a des cheese naan, garlic naan, nal. Pour ceux qui ont capté la référence. Ah, oui. Celui qui capte la référence, il le dit dans les commentaires. Et je vous jure que voilà. Je vais vous payer. La famille, on va rentrer dedans tranquille, on commande et je vous montre ce qu'on va bouffer ce soir. Voulez-vous profiter du programme Fidélité? Non, on est libre. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ces prix de fou là? C'est ça les prix? Tu sais quoi, on va faire demi-tour, je crois, gros. Voilà, on est venu pour grave, on a vu les tarots, ça nous a refroidi direct. Regardez les tarots, 16 balles, 15 balles, 22 balles. Heureusement que j'ai une carte qui resto. Hein, parce que là, je vais pas subir du tout la famille. Hein. Non, ça c'est bien, c'est ça les menus comme ça qu'il nous faut dans les 10 euros. Moi, je pense que ça va dans les 10 euros, tu vois. Tandoori grillé, chicken, c'est dans du cheese naan. C'est du naan ou du cheese naan? On demandera de toute façon. À la carte, du pain. Cheese naan, voilà. Au beurre. Butter naan, victime de son succès. Le prix aussi, il est victime, mon frère. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire, on va se prendre un petit menu tranquille. Hein. C'est quoi, on va se faire un menu Thalys, on n'est pas venu pour rien. Ah, vas-y, on va se faire plaisir, on va se ruiner la famille. Ça, c'est, on va remercier les abonnés, c'est grâce à eux qu'on va se ruiner. Voilà, on a été servi, frérot. Qu'est-ce que t'as pris? T'as pris des frites? J'ai pris un lemon pepper. Avec des frites épicées. T'aurais dû prendre du riz, non? J'ai la marge. Cheese naan. Oh, la sauce, montre la sauce verte, s'il te plaît. La goutte. Tu peux fumer ta grosse tête ou pas? Ouais. Non, t'as pas tes lunettes. Je peux pas filmer, il est anonyme. Elle est sa femme, elle sait pas qu'il est au restaurant. Il a dit qu'il allait à la mosquée. Attends, je te montre ce que j'ai pris. Alors, moi, il y a déjà le cheese naan. Un cheese naan direct. Cheese naan. C'est quoi le nom? Ah, voilà, c'est ça. Et on s'est fait saigner la famille. Hein. Je te jure. Et tu sais quoi là? Là, je vais faire des livraisons Uber Eats pour rembourser, pour rentabiliser, frère. Lâchez un pouce bleu pour rentabiliser. Regardez, regardez combien j'ai payé. Alors, moi, ce que j'ai pris, c'est un Thalys Spice. Alors, Butter Chicken. Alors, Butter Chicken, c'est ça. D'accord? C'est une espèce de sauce au beurre, c'est ça? Ok. Voilà, noix de cajou, poulet tikka masala. C'est classique, de chez classique, du riz basmati, et puis ça c'est quoi? C'est des desserts, ouais. Ça on verra après ça. Dessert indien. J'ai une question à te poser, je suis avec un frérot là, t'as vu? Frérot quelqu'un. Ouais. J'ai une question à te poser. Ouais. Est-ce que t'as déjà... Comment? Ouais, pour faire des vidéos c'est pas mal hein. Ça filme en 4K et tout. Avec micro sans fil ici, là. Ouais. Le pack complet doit coûter 300, dans les 350. Ouais. Le fou, c'est le bon coin, les mecs qui vendent. Cheese naan. Cheese naan. Il est good. Cheese naan. On parlait de quoi, là? Attends. Parlez de ça. Je goûte le cheese naan d'abord. On dirait des mcm. Ouais, avec la HKM. Avec la vache qui rit. Ouais. Non. Bon, attends, je vais goûter le butter chicken. Putain, goûte-le s'il te plaît. Il a l'air goûtu, hein. Là. Mmh. Wow. Il est doux. Il est de l'Inde. C'est de l'Inde. Avec de la douceur, ouais. Et de la douceur. Franchement. Ouais, voilà, c'est bon. Goûte le chicken pepper lemon. Voilà. Vas-y, toi. Non, mais je vais montrer devant la caméra. Regardez, c'est chicken lemon. Chicken lemon, but lemon pepper. Pepper. Donc poivre. Citron poivre. Citron poivré. Citron. C'est pas pepper, c'est citron poivre. Bismillah.
sens la douceur et la fraîcheur. C'est ça. Mais je sens pas de piquant. Non, parce que c'est pas épicé. Ah. Normalement, alors, ce que j'ai goûté là, le butter, ça c'est ça. Et ça, c'est normalement tu le manges avec le riz ou tu manges comme ça? Tu mélanges avec le riz. Je vais goûter celui-là là, le masala. Avec le msemen. J'aime trop les chizan. Les msemen hamar. Hamar, chizan. C'est le nom. Hamar. C'était une blague. Il y en a plein, ils vont rigoler derrière leur écran. C'est sûr. C'est la référence. Et je vais faire du stand-up. Vas-y. T'es chaud? Faut faire quoi? Pour produire? Pour faire de la pub. Quand je veux produire, c'est la honte. Imagine, tu te produis, t'as la personne. C'est dur. Comment c'est bon? T'aimes bien? Ah non, j'aime trop. C'est bien. Je vais vous montrer. D'accord, j'ai dit c'était cher, mais frère, c'est de la qualité. Hein. Non, on est pas au fast-food là, on est au niveau au-dessus du fast-food, non? Le fast restaurant. On est, c'est pas du fast, c'est du... C'est du wheel. Le fast-food. Bon, ça va, là, on a été servi rapidement, donc c'est fast. Ouais, déjà c'est fast, mais franchement c'est bon. C'est fast-good. Franchement c'est top. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle comme ça la chaîne YouTube, le fast-good cuisine. Peut-être, ouais. Parce que fast, good, vite, bon, et cuisine. Alors il y a un truc que j'ai pas goûté, c'est le riz. Alors c'est un riz basmati. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, ils font comme moi, ils vont sur internet. Franchement, le riz il est délicieux. Il est fin. Que ce soit dans le goût ou que ce soit dans... Hey, je peux goûter ta sauce verte. Vas-y, goûte, frère. Fais-toi plaisir. Avec quoi on la goûte? Hein? Je la goûte avec du nan. Ouais, j'ai goûté avec une frite, moi. Goûte avec une frite ou nan? Avec un nan. Alors, ça ressemble à la sauce verte qu'on met dans le poulet brésil. Pour ton information, le riz basmati, c'est un riz long, grain, qui est issu d'Inde ou de Pakistan. Oh, elle est bonne. Ah ouais, d'accord. Donc le riz basmati, c'est des riz indien. C'est un riz long en fait qui vient d'Inde ou de Pakistan. D'accord. Donc là, ça s'appelle le riz basmati. Là on est vraiment en Inde quoi. Et franchement, je préfère 10 fois manger ici, dans un truc comme ça, dans un restaurant indien classique. Ah oui. Là c'est le futur frère. Ah non, c'est vrai. Franchement c'est le futur. Le spa saint là c'est le futur. Ah ouais, c'est roulant. T'aurais pas dû prendre des prix, t'as choisi de prendre du riz, hein. Il est très très bon. Là. Goûte avec moi les trucs là, mange avec moi. C'est trop bon, je crois. Ouais, j'ai trop goûté bon. Déjà le... Goûte. Goûte et... J'ai déjà goûté. Hein. C'est un truc de ouf. Goûte déjà ça. Ça, c'est trop bon. C'est bon. Tu veux me dire, il y a des gens qui mangent ça tous les jours? Oui. T'as vu comme ça? On dirait de la viande avec le poulet, avec chouchouka, tu vois, un peu. Mélangé avec du poivron en plus, tu vois. C'est ça. Prémisse, tu vois. C'est du hummus revisité. Revisité. Je vais me mettre à l'aise. Hein. Moi, je mangeais avec ma veste comme si j'étais en garde à vue. Comme si on allait faire un resto basket. Ouais. Franchement, c'est délicieux. Hein. Ouais. Merci. Je vais en prendre pour chez moi. Je vais en demander après. Alors ça c'est le masala, franchement il est délicieux. Hein. Et les doses elles sont costauds quand même. Hein. Non franchement c'est très copieux. T'as dit le mot. Mais partageons. Mange ça, mange, goûte pas. Ouais t'inquiète. Qu'est-ce que je fais? On va continuer la dégustation tranquillement et puis on se fait un petit topo à la fin. Hein ouais. Ok mon ami? Ouais. Allez, c'est bon. Eh vous savez ce que ça veut dire? Je suis au bout de ma life. Je suis au bout de ma vie, je viens de finir là, je viens de sortir. Oh, j'ai trop mangé, frère. Franchement, ce que j'ai pris là, j'ai pris le menu le plus cher. Mais il n'y a rien à dire, c'est super bon. En tout cas, niveau prix, c'est vrai que c'est cher. Mais niveau qualité, franchement, la qualité, elle est là. C'est super bon, c'est propre. Et je préfère 10 000 fois manger indien de cette manière que de manger dans un restaurant indien classique. C'est un autre niveau, c'est une autre forme de bouffe. Et vraiment, vraiment, c'est goûtu de ouf. Frère, il y a une chicha à côté, j'ai envie de bref, je vais pas faire publicité pour du tabac. Voilà. Donc la famille, je mets l'adresse dans la description pour ceux que ça intéresse.
Voilà, si, si, c'est Spice and Grill. Spice and Grill, c'est halal en plus. Vous savez que moi, là où je vais manger, c'est bon. Voilà. Franchement, tu mets une note sur 10, combien toi? Je mets 8 et demi. Ah ouais, t'es gentil, toi. Ouais, parce que je trouvais que c'était bon. Je trouvais que c'était. Moi, pour ce que j'ai pris, ça m'a coûté 11,50 € et c'était copieux. Moi, j'ai pris le menu le plus cher. Ouais. Je dis, on va se faire plaisir. Ouais. C'est vrai que les prix sont un peu élevés, mais les doses, elles sont élevées. Franchement, je trouve que c'est Tu vois les cher. trois pots là? Il y avait Ouais. le riz, les deux viandes. Ouais. Et je suis gavé là. Ouais, non. Là, j'en peux plus. Un riz, une viande, ça aurait été suffisant, je pense. Tu sais quoi? Il faudrait qu'ils diminuent les doses Ouais. et Et le que prix. et le prix. Ouais. Voilà. Sinon, c'est super bon. Franchement, rien à dire. Ouais. Là, je vais rentrer tranquille. Je vais me faire une Et chiche. puis le cadre, il est pas mal, même pour l'été, ça peut être pas mal avec une belle terrasse, quand Voilà, même. la terrasse est super grande, mais l'été, c'est fini, mon gars. Oui. Il y a le parking. Ouais. Voilà. Et là, ouais. Et puis à côté, t'as un truc. Un smoky. Voilà, smoky. C'est pas du barbecue, frère. Non, Et c'est autre voilà. chose. Ok, tranquille. Bon, je te laisse devant la caméra. Tu fais chieux. Chieux. Ce sont tous des Tommy, des Tombi. Cheveux longs, Ratma un demi. Le mental a copié le flow à Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Chieux. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont toutes effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.